Aujourd'hui, nous avons finalisé l'installation de notre réseau de toilettes publiques sur le centre-ville de Fort-de-France. 7 toilettes automatiques, auto-nettoyants et 2 latrines. Qui sont situés parking Pointimont et du côté du marché Lafcadio. L'objectif, c'est d'apporter une réponse aux utilisateurs du centre-ville en termes de commodité. C'est un dispositif qui a commencé à être mis en place en 2020 et qui a été finalisé début 2023 pour un montant total de 1,5 million d'euros qui va faire l'objet donc d'une maintenance par la société Serco Exploitation sur une période de 5 ans. Et donc, il s'agit pour nous d'apporter une réponse à ce besoin de la population martiniquaise qui fréquente notre centre-ville, d'améliorer les conditions d'attractivité de notre centre-ville et de confort d'utilisation du centre-ville pour les visiteurs, mais aussi pour les gens qui y habitent et également pour les riverains. Ce réseau va être maintenu, il est à la disposition de la population. Nous allons continuer à travailler sur l'identification pour que chacun puisse repérer les toilettes où il se trouve. Et nous allons également continuer la lutte contre les incivilités de ceux qui utilisent le domaine public pour se soulager. Et nous irons, c'est une instruction que j'ai donnée, nous irons jusqu'à la verbalisation de ceux qui vont faire leurs besoins sur le domaine public.